Zaman, il a commencé la saison de monte l'an dernier, il s'est bien épaissi, on l'a vu tout à l'heure dans la cour. Oui, tout à fait. Non, mais Rajaman, il s'est transformé même parce qu'il a vraiment pris une belle arrière-main, une belle épaule par rapport à l'année dernière. C'est pas du tout le même cheval physiquement, mais il a gardé son bon tempérament. C'est un cheval qui est très sympa, très vivant. Et pour l'instant, ça se passe bien. On a 8 poulains à la maison qui sont bien, bien faits, bien équilibrés comme lui, bien dans leur tête. Le Rocodor 2013, messieurs dames. Ne pas oublier, Rocodor 2013, Rajaman. Et le trophée d'ailleurs. Le trophée qui a été remis à la soirée foncière. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme jument à Rajaman ? Rajaman, bah, c'est un courant de sang que tous les éleveurs connaissent, qui est assez facile à croiser. On peut lui ramener du Northern Dancer, un peu de tout. Il est assez facile à croiser, de par sa lignée maternelle également. On a Mister Prospector d'un côté, donc on peut ramener du Northern Dancer, du Great Sovereign, du Verglas. Voilà un peu ce qu'on veut. Il est assez facile à croiser. Et les Français ont l'habitude de croiser leur poulinière avec ce courant de sang. Dynamix a été dominant pendant très longtemps en France, donc de ce côté-là, ils savent faire. Est-ce qu'on peut lui apporter également des juments d'obstacles ? Bien sûr, on voit les résultats actuellement avec Martaline et puis bien d'autres, Anlamix. Donc de ce côté-là également, on peut. D'ailleurs, on a scié beaucoup de juments d'obstacles l'année dernière. L'an dernier, ouais, pardon, ça a déjà pas mal fonctionné avec les juments d'obstacles, pas mal accroché. Donc on peut le faire. Non, Linamix, je me répète, mais Linamix, c'est le croisement magique. Tout le monde connaît en France, donc c'est une des raisons pour laquelle on l'a rentré à la maison. Un petit mot d'ailleurs sur sa carrière de course encore, Rajaman. On se rappelle, il était à l'entraînement chez Freddy Head en fin de carrière. Oui, tout à fait. Et puis c'était un cheval que Freddy Head aimait beaucoup. D'ailleurs, il l'a déclaré dans la presse. Lui-même avait monté Linamix, son père, qui avait beaucoup de vitesse. Et il a toujours pensé que Rajaman était très très bon. Et il ne s'est pas trompé de par ses résultats en course. Merci Sylvain. Merci à vous.